Sí, Señor. señor. Cónsul, en este momento estamos en vivo. Muy buenas tardes. En nombre del Consulado General de Colombia en París, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, del programa Colombia nos une, de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección de Colombia nos une, del doctor Carlos Rovira. En nombre de todos, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este evento que va a ser un lanzamiento especial de las clases de vivo, de las clases de francés en vivo que hemos venido entregando a través de los cursos que tan gentilmente nos ha colaborado Linkate desde su comienzo. En el día de hoy, el lanzamiento estará a cargo de los profesores. Voy a darle la palabra a mi compañera de labores, Juana Covaleda, para que dé una explicación de cómo ha sido el procedimiento. Y solo me resta agradecerles a todos y cada uno de los participantes por la importante acogida que le han dado a este proyecto del consulado, que junto con Colombia nos une, ha logrado llevar a cabo para bien y para provecho de la comunidad colombiana residente en Francia. Esperamos que este programa siga teniendo el mismo recibimiento por parte de todos mis compatriotas y solo deseo que hacia el futuro podamos todavía perfeccionar aún más, si cabe, este programa. De nuevo, mis agradecimientos a Carolina Soto, sin cuya ayuda y permanente disposición de colaboración sería imposible llevar a cabo estos proyectos. Muchas gracias. Dejo en compañía de ustedes a mi compañera Juana Covaleda en el uso de la palabra. Muchas gracias, cónsul. Buenas tardes a todas y todos. Es realmente un honor para nosotros poder en este momento darle continuidad a esta propuesta que nació pues iniciando este segundo semestre, luego de realizar la encuesta los días entre el 18 y el 25 de junio, teniendo más de 3.800 respuestas. Como les comentamos inicialmente, el 50% de las personas dijo tener un nivel básico de francés, y es por eso que gracias a el apoyo de la Asociación LinkedIn, ya en este momento nos encontramos en la clase número 25 de la semana 15. Aún nos quedan pendientes 9 semanas más, 21 clases más. Con LinkedIn hemos trabajado como en dos partes la propuesta. La primera parte, ellos desarrollaron un blog a través del cual, además de las clases que se vienen desarrollando los martes y los jueves, ustedes tuvieron un acompañamiento permanente como en las tareas, en los ejercicios, pudieron a través de este blog que ellos crearon acceder a todos estos ejercicios complementarios. A partir del día de hoy, nuestra semana 25, nuestra clase número 25, la semana 15, la idea es que se va a lanzar una nueva herramienta de aprendizaje que es pues de fácil acceso, que más adelante nos va a contar nuestro profesor, nuestro querido profesor David. Es una plataforma Moodle, a través de la cual, además de visualizar la totalidad de los cursos, van a poder acceder a los diferentes exámenes y algunos exámenes, a los diferentes ejercicios y algunos exámenes que van a poder desarrollar en línea. Entonces, paralelo, pues como para terminar también el tema de nuestra propuesta grande, que como les comentaba, el 50% estaba dirigido a este punto de los cursos básicos. El 50% restante de esas personas entraron a un proceso de selección para verificar cuáles eran los niveles de las personas que más se compartían y los perfiles que más se acercaban para crear otros dos grupos que han iniciado clases hace más o menos unas 3 semanas también de forma privada.
y que corresponden a los niveles A2 y B1. Estos grupos ya van a recibir al final de los cursos una certificación. En este caso, sí es posible, digamos, dar una certificación, desafortunadamente, por el gran volumen de personas que acoge la iniciativa que en este momento desarrolla LinkedIn, pues es muy complicado dar una certificación. Bueno, también que aprovecho para comentarles que esta iniciativa ha tenido tanta acogida que en este momento estamos en el ranking 1 de los, exactamente, de los streaming más vistos en la plataforma de Colombia Nos Une. Tenemos entre 14.000 y 16.000 reproducciones cada uno de los videos. Entonces, pues aprovechamos para darles las gracias a todas las personas que están ahí conectadas y también al mismo tiempo felicitarlos por todo este trabajo que están realizando y pues motivarlos también para que continúen haciéndolo. Entonces, bueno, sin tomar más la palabra, le doy la palabra a mi compañero, querido profesor, que tanto nos hace disfrutar del tiempo aprendiendo francés, David. Bueno, entonces ahí te dejo, David. Muchas gracias. Gracias, Juana. Hola a todos, bonjour a todo el mundo. Hoy simplemente quiero mostrarles la plataforma Moodle. Quiero mostrarles un poquito lo que hay, quiero mostrarles un poquito lo que yo veo detrás de lo que ustedes ven. Y para incitarlos a que se inscriban en nuestra plataforma Moodle, tenemos los cursos como los teníamos en el blog. Simplemente esta plataforma nos permite hacer un seguimiento. Si ustedes se inscriben, que esperamos que lo hagan, podemos hacer un seguimiento a un poco su avance, más por ustedes, porque como decía Juana, son bastantes personas y es muy complicado tener un acercamiento cercano, poder hacer una evaluación muy cercana. Desafortunadamente el medio no lo permite, pero bueno. Antes de continuar, le doy la palabra a nuestra directora Anastasia, porque ella está en un poquito de trabajo, moviéndose por todo lado, el trabajo asociativo es así, y para que ella nos presente un poco LinkedIn. Justamente, le damos entonces la palabra pues a la directora de la asociación, Anastasia, que nos acompaña en la distancia, pero con mucha motivación. Muchas gracias, Anastasia. Ahí te damos paso para que nos presentes la asociación. Hola, buenos días a todos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Como ven, estoy aquí en un carro, entonces conectarme ha sido un desafío absoluto. Pero sí quería saludarlos. Entonces, como gracias por haberme presentado, soy Anastasia Rubio. Y entonces inicié esta asociación hace un año y medio. Y quería aprovechar este espacio para felicitar a los profesores. Yo creo que nosotros hemos sido miles siguiendo estas clases en línea. Hemos visto el trabajo de David, es un esfuerzo muy grande que han hecho desde hace mucho tiempo. Y detrás de esta plataforma de Moodle que les estamos presentando, no es solamente el trabajo de ellos, pero también es el trabajo de otros profesores que todavía no conocen. Es el trabajo de Mayra, el trabajo de Julie, el trabajo de Arthur. Entonces creo que sí los podemos felicitar desde nuestras casas. Juana, quería agradecer a Mauricio, el cónsul, creo que ya se fue, por habernos dado esta oportunidad de haber creado en nuestra asociación y de habernos permitido estar con ustedes en Colombia Nos Une para que nuestro trabajo le llegue a todas las personas que nos están siguiendo hoy. La asociación no se ocupa solamente de educación, que pueden verlo con las clases de francés, pero también damos ayuda alimentaria, ayuda social, tenemos muchas actividades, pero lo que sí podemos ver es que la ayuda educativa es la más importante. Este proyecto que ven acá es el primero que está saliendo de nuestra asociación, que se está concretando, y creo que estamos todos de acuerdo en decir que la educación es el principio de una vida mejor. Cuando uno habla francés y nos toca a nosotros, familias colombianas, ir al extranjero por razones complicadas, cuando uno empieza a hablar francés, uno se vuelve independiente, se nos abren puertas, tiene muchas más oportunidades y por eso me parece que es lo más importante. Entonces, bravo a todos
Aquí estoy justamente en un carro llegando a otro evento sobre la educación y la paz. Así que van a haber muchos más proyectos sobre la educación. Espero en todo caso vamos a hacer lo posible para seguir solidarios, avanzando juntos. Espero que hayan más proyectos con el consulado, ¿no? Y entonces, bueno, creo que la mejor manera de agradecer todo este trabajo es estudiando y aprovechando. Entonces, creo que David está presentando la plataforma. No sé si lo dejo continuar, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y ver que todo esto está dando resultados y que van a sacar buenas notas. Muchas gracias. Chao. Ahí dejamos al experto David. Gracias. Bueno, gracias. Después de la presentación de Anastasia, como decía Anastasia, nosotros no solo tenemos el programa de cursos de francés, también es un programa de ayuda a familias en Francia que están aquí, que tienen algunas dificultades, y eso es, creo que ellos hacen mucho más trabajo que nosotros en volumen. Bueno, como les decía, el Moodle nos permite tener sobre todo un pequeño acercamiento a lo que ustedes hacen, a su avance. Por ahora hemos estado empezando, ya hicimos un primer proyecto, que fue el de hacer los talleres de conversación. En los talleres de conversación tuvimos solamente 16 personas. Muestro rápidamente, para no mostrar todos los nombres, pero tuvimos algunas personas. Problemas de conexión. Algo pasa con Facebook. Parece que es Facebook. Que dice que el video no está disponible. Entonces, en este momento estoy hablando con soporte de StreamYard para ver si definitivamente es que Facebook está fallando otra vez. O qué es lo que está pasando. Entonces, les recuerdo que Facebook se cayó ayer y que los que nos pueden ver y los que nos pueden oír, hay problemas en los servidores mundiales de Facebook y es posible que no puedan ver esta transmisión en directo. Pero bueno, no sé, Carolina, si quieres que continúe un poco por si se queda grabado para que la gente que pueda verlo posteriormente pueda ver la presentación. Ah, bueno, listo. Me parece eso, entonces si quieres podemos continuar y que luego lo vean, aunque bueno, lástima, me da mucha lástima que no puedan verlo. Ok, veo en el chat que algunas personas sí pueden vernos, entonces debe ser un problema de ciertos servidores en algunos lugares. Como les decía, en el momento tuvimos unas 16 personas, 30 personas que se conectan. Son 16 personas que se conectaron al test, pero recuerden que así no estén en un atelier de conversación, tenemos 4 talleres programados, uno de fonética, otro que va a ser Arthur y otro que va a llegar antes del fin del año. Y gracias a su inscripción vamos a poder hacer esos pequeños tallercitos donde vamos a poder ver cómo avanzan los que estén un poco más avanzados. Vamos a incluirlos en los talleres. Desafortunadamente no podemos incluir a todo el mundo. Quisiéramos tenerlos a todos en un taller de conversación, pero visto que somos pocos, no podemos hacerlo tan como quisiéramos. Entonces, les decía, esta plataforma nos permite hacer su seguimiento, las personas que se conectan, los que hacemos cuando hacemos tallercitos, podemos hacer calificación, y eso les puede dar un poco una medida de cómo están avanzando. Aquí están todos los cursos. Vamos a seguir poniendo todos los nuevos cursos. Ya tengo preparado como el lugar. Y la idea es que ustedes se inscriban y a partir de esta clase vamos a poner en marcha una cosa que es los foros. Los que están inscritos en el Moodle pueden hacer preguntas y una vez por semana vamos a responder a las preguntas. Puede ser por escrito, puede ser por video, vamos a ver cómo, dependiendo del volumen de las preguntas, y podemos hacer como síntesis de lo más preguntado. Para que ustedes nos entren, nos hagan preguntas de lo que no entendieron, y así podemos completar un poco, complementar las explicaciones. Para conectarse es muy, 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 muy fácil.
Para empezar, es gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada. Para ir al Moodle, simplemente recuerden, como lo va a mostrar ahorita a Alejandra, les va a dar la dirección. Normalmente es linkedin.fr/français, escrito en francés, aunque no tiene cerilla porque no se puede en internet, francais, y se pueden inscribir. Yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar la página. Van a llegar a esta página. Lo único que tienen que hacer es conectarse, darle conexión y, bueno, yo lo tengo en francés porque por defecto está en francés por mi navegador, pero van a ver que en la parte inferior pueden inscribirse gratuitamente. No tienen que pagar absolutamente nada. Está dentro del paquete que les damos de acceso gratuito a nuestros cursos. Así que los invito a que vayan a LinkedIn, como está escrito aquí, .fr/français, francais, y le den clic a conexión o conectarse y se inscriban totalmente gratis y así pueden acceder a todo el seguimiento. La plataforma está abierta de forma anónima, pero si se inscriben pueden hacer un pequeño seguimiento de cómo avanzan. Y pueden inscribir a los foros, que es lo más importante. Así que sin darles más largas, le voy a dar el paso a mi compañera Alejandra, que está esperándonos detrás de cámara. Hola, Alejandra. No se escucha, Alejandra, tienes cortado el micrófono. Ya me escuchan. Hola, sí, David. Te escucho. Cara, si puedes poner mi pantalla, súper bien. Merci a David, gracias a David. Ahora, como David les decía, está la plataforma linkedin.fr/francais. Este es el link. Caro lo va a escribir por los comentarios para que lo puedan ver y lo van a mostrar. Ahí vamos a empezar a continuar a poner las entradas de cada clase. Y además, más actividades que pueden hacer directamente desde el Moodle. Y como decía David, algunos tests que les van a permitir tener acceso a cursos de conversación. Como no estaban todos, no podían ver lo que se dijo al principio, les recordamos que este curso tiene, por ser de gran público, porque muchas personas pueden conectarse, tiene un pequeño defecto y es que no podemos hacer que todo el mundo hable al mismo tiempo o que podamos hacer un curso en one-to-one. Pero la idea es que a partir y a través de esos tests que vamos a continuar haciendo puedan tener acceso a un curso de conversación y participar también. Sandra, los cursos tanto en el blog como en LinkedIn los puedes ver desde el principio. Desde la clase número 1 lo puedes ver. Y tiene el link al video de Colombia nos une más la presentación y los ejercicios. Así que, il n'y a pas d'excuse, no hay excusa, pour apprendre le français de manière autonome. Sin más preámbulos, je vais commencer. Donc aujourd'hui, nous sommes à la séance 25. Donc c'est la semaine 13 sur 24 que nous avons ici. Je crois que c'est 4 heures, je me suis trompée. Donc aujourd'hui, vous êtes avec moi, Alejandra, et le jeudi avec David. Souvenez-vous, nous avons fait un petit changement pour la deuxième partie de nos cours. Recuerden que hicimos un pequeño cambio, ahora me van a ver la mayoría del tiempo los martes y ahí lo van a ver los jueves. Donc, on va commencer d'abord par la révision. On va réviser les catégories d'aliments que nous avons vues la semaine passée. Donc, ici, j'ai reviens avec un petit exercice pour associer les catégories d'aliments au commerce alimentaire. Donc, je vais vous présenter des catégories d'aliments et quelques commerces. Et ce que vous allez faire, c'est me dire sur les commentaires à quel
catégorie d'aliments, quelle catégorie d'aliments je peux acheter dans ce type de commerce? Quelle catégorie d'aliments je peux acheter dans quel type de commerce? Pour le premier, me van a decir, ¿qué categoría de alimento puedo, dónde puedo comprar esta categoría de alimento? ¿O es que je peux acheter ces catégories d'aliments dans quel commerce? Para el primero, le premier, le produit laitier et les œufs. ¿O es que je peux acheter les produits laitiers et les œufs? Est-ce que je peux les acheter à la boulangerie, à la fromagerie, le primeur, la boucherie, la poissonnerie? Je vois que Claudia, elle répond. C'est très bien, Claudia. C'est très bien. Claudia nous dit, je peux acheter des produits laitiers et des œufs à la fromagerie. La fromagerie, c'est l'endroit où je peux acheter des fromages, mais aussi du lait, du beurre et des œufs. En la, el lugar donde puedo comprar queso, también puedo comprar leche, mantequilla y huevos. Ensuite, pour la viande, dites-moi, vous pouvez faire de quel numéro, poisson, quel numéro, les légumes, les pains. Donnez-moi une liste avec les options. La viande, avec quoi? Où est-ce que je peux acheter la viande? Très bien, très bien, très bien, tout le monde. Très bien, je peux acheter la viande à la boucherie ou à la charcuterie. Le poisson, je l'achète où? Les poissons, je vais l'acheter où? Où est-ce que j'achète le poisson? Dites-moi. Le poisson. Oui, Claudia, très bien. Lady, très bien. Super. Super, super. À la poissonnerie. Poissonnerie. La poissonnerie, c'est l'endroit où je peux acheter du poisson, mais aussi des fruits des mers. En la pescaderia compro poisson, pescado et aussi fruits de mer. Frutos del mar. Les légumes, je les achète où, les légumes? Les légumes, c'est avec un nom qu'on avait vu la semaine passée. Les légumes, je les achète où? Où est-ce que j'achète mes légumes? ¿Dónde compramos verduras? Ok, très bien. Là, c'est très bien. J'achète mes légumes chez les primeurs. Chez les primeurs. Nous avons vu ces mots hier, c'est les primeurs. Les primeurs, c'est l'endroit où je peux acheter des légumes. Et les pains et les gâteaux, je les achète où? Mes pains et mes gâteaux, je les achète où? Les pains et les gâteaux, on les achète où? Oui, très bien, Lady, très bien. À la boulangerie, pâtisserie. Donc, il y a quelques boulangeries qui sont aussi pâtisseries. Boulangerie, pâtisserie, mais il y en a certains qui sont très spécialisés. On les achète soit à la boulangerie et il y a aussi pâtisserie. Hay veces, pasa mucho, que hay panadería y pastelería. Pero hay lugares que son demasiado específicos en donde solo va a haber panadería o solo va a haber pastelería. Mais ici, comme c'est la catégorie d'aliments, le pain et les gâteaux, nous faisons la boulangerie, pâtisserie. Et enfin, le fruit. On les achète où, le fruit? Les fruits, je peux les acheter où? On peut faire des répétitions. On peut répéter des options.
Très bien, Lady. Chez les primeurs. Chez les primeurs, je peux acheter des fruits et des légumes. Vous êtes très bien. Bravo, félicitations. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? On est le mardi 5 octobre 2021. Nous allons continuer avec faire les courses. Mais nous allons aller un peu au détail. Vamos a continuar a hacer compras, pero vamos a llegar a más detalles. Donc, on va continuer à parler de son quotidien. On continue à faire les courses. Mais cette fois, je vais vous présenter quelques points de vocabulaire. Les voy a presentar algunos puntos de vocabulario para las compras. On ne l'avait pas vu, on n'avait pas eu le temps la semaine passée de voir ça. Donc, je vous donne ça aujourd'hui. Je vous présente les contenants. Pouvez-vous me dire si vous arrivez à reconnaître quelques contenants, les noms de quelques contenants? ¿Ya saben identificar algún nombre de los contenedores o de los, sí, de los contenedores que les presento en esta foto? Es que vous avez déjà dit quelques mots en français. C'est là que vous savez déjà les dire. Comment on dit ça? C'est pour la bière, pour le vin, pour l'huile. Donc ça, c'est attention. Attention parce qu'il y a le vin, el vino. Es una boisson. Les vins, c'est une boisson. Les vins, le vin, c'est une boisson. Mais qu'est-ce qui contient le vin? Où est-ce que je stocke du vin? ¿Dónde? ¿Cuál es el contenedor en el que yo echo el vino? C'est ça que je veux. Les contenants, los contenedores. J'ai vu déjà, il y avait Gladys qui avait donné une réponse. Ça, c'est une bouteille. Yo veo que están muy bien de algunas palabras. Donc, vous savez déjà dire le vin, des œufs, du lait. Donc ça, c'est des aliments. Ensuite, j'ai vu les contenants. Est-ce que vous savez dire, comment dire ça? Oui, je vois. Lady dit une tasse, une tasse. Une tasse. Ici, c'est plutôt un verre. Un verre de lait. Un verre de lait. Une bouteille de vin, d'huile, une bouteille de rhum, par exemple. Un verre de lait. Un verre de bière. Un verre. Un vaso. Vous avez déjà vu sept mots avec David quand on avait fait le thème des sorties. Prendre un verre, c'est un verre. Un verre, c'est masculin. Attention, Paola, c'est un verre. Un verre. Un vaso es masculin. Un verre, pas une verre, c'est un verre. Attention, c'est masculin. El vaso es masculino. Une bouteille, c'est féminin. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? ¿Qué es esto? C'est pour boire du champagne, pour boire du vin. On l'utilise pour boire du vin, de champagne. Para beber vino, para beber champagne. ¿Dónde bebemos vino? ¿Dónde bebemos champagne? C'est une coupe. Une coupe. Une coupe de vin. Une coupe de vin. Une coupe de champagne. Une coupe. Une coupe de champagne. Une coupe de champagne. Je bois une coupe de champagne pour mon anniversaire. Une coupe. Ici, c'est un pot. Un pot. Un pot. Un pot, c'est un tarro. Un tarro, par exemple. Un pot. Un pot de cornichons. Un pot. Un pot de confiture. Un tarro, un frasco. Un pot. Un pot de confiture, un pot de cornichons. Ici, c'est des cornichons. Qu'est-ce que ça veut dire, cornichons? Si vous regardez la photo, c'est un pot de cornichons.
Un pot de cornichons, ça veut dire quoi en espagnol? Cornichon. Si vous regardez la photo. Si vous voyez la photo, que signifie un pot de cornichons? Cornichon es pepinillo. Cornichon. Si ustedes ven esta fotico, adentro hay pepinillos. Cornichon son pepinillos. Ahorita se los escribo. Ici, c'est, vous me dites une boîte de lait. C'est plutôt une brique. Ça s'appelle comme ça. Une brique. Une brique de lait. Une brique de lait. Une brique de lait. Lorena, lo voy a escribir tout de suite. Attention, on va finir les contenants, je vous l'écris. Une brique de lait. Une brique de lait. Pour la farine, comment on dit? Un paquet. Une brique de lait. Un paquet. Un paquet. Un paquet de farine. Un paquet de riz. Donc souvent, un paquet pour les choses qui sont sèches. Más que todo, los paquetes para las cosas secas. Un paquet de lait. Ustedes también pueden decir une bouteille de lait. Pero en este caso ya es una botella, más que todo botella. Este, une brique, es un cartón. Es como un cartón de leche. Como el Tetra Pak, por ejemplo. Une brique. ¿Esa c'est quoi? ¿C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pour manger des céréales. Si je mange des céréales, c'est quoi? C'est pour manger mes céréales. Je mange des céréales ou je mange une soupe. Para comer céréales ou para tomar sopa. C'est quoi? Un tazón, oui. Un bol. Un bol. En français, on dit un bol. Un bol. Un bol de céréales. Ana María, estamos en vivo. Estamos en vivo. Un bol. Un bol de céréales. Et ça, c'est une barquette. Une barquette. Donc ici, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est fraises, donc c'est une barquette, comme una bandeja de fraises, une barquette de fraises, une barquette, donc c'est ça des contenants. Ensuite, vous m'avez dit tout à l'heure le mot boîte, une boîte, une boîte es una caja, une boîte de, une boîte de, mais aussi une boîte des conserves. Des boîtes, on peut faire, donc une boîte es una caja. Une boîte, una caja. Donc, je peux acheter une boîte de ou une boîte de conserve. C'est quoi une conserve? Je peux acheter une boîte de ratatouille. Je peux acheter une boîte de tomates pelées. Je peux acheter une boîte des pois chiches. Ce sont des boîtes. Son latas. Une boîte, ça peut être aussi una caja. Una caja, pero también una lata. Donc, on peut avoir une boîte, ça peut être una caja en espagnol, pero también puede ser una lata. Una lata de garbanzo, c'est une boîte de pois chiches. Je vais vous écrire ça. Donc, il y a plusieurs contenants. Un pot, un paquet, une brique, une barquette, une boîte, une bouteille, ce sont souvent des choses qu'on achète au supermarché ou à l'épicerie, au marché. Par contre, un verre ou une coupe ou un bol, on l'utilise surtout à la maison ou au restaurant. Un vaso, una copa, un bol, más que todo lo utilizamos en casa o en un restaurante para poner bebidas o comida, mientras que una botella, une bouteille, un pot, une brique, un paquet, une barquette, une boîte de conserve,
Nous les achetons au marché ou au supermarché. Avant de passer ça, je vais vous écrire ici cornichon. On m'avait demandé cornichon. Así describen pepinillos. Donc, c'est un pot de cornichons. Un pot de cornichons. Un pot de cornichons. Hop. Donc, maintenant qu'on comprend comment parler des contenants, nous allons parler d'acheter la juste quantité. Donc, je vous présente une liste des courses. Une liste des courses qui a des quantités précises. Les presento una lista de ingredientes o de alimentos con una cantidad justa. On va les acheter. Comment on va les acheter? La semaine passée, je vous avais expliqué comment faire un achat. Et j'avais utilisé souvent une expression. Je prends du poivron, je prends un oignon, je prends un kilo de tomates. C'est ça, c'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre. Nous n'avons pas eu le temps la semaine passée de revoir en détail la prononciation et la conjugaison de ces verbes. Donc, on va les voir maintenant et on va profiter pour introduire la notion de quantité. La semaine passée, nous avions vu ce verbe, mais nous n'avions pas parlé. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça veut dire prendre en espagnol? Qu'est-ce que signifie prendre en espagnol? Qu'est-ce que signifie? Dites-moi, qu'est-ce que signifie prendre en espagnol? Très bien, Lina. Tomar. Donc, quand on dit « je prends du poivron », quiero decir « yo tomo dos pimentones » ou « me llevo dos pimentones » si lo hablamos en español. Mais prendre, c'est tomar. Je prends mon téléphone et mon sac à main et je pars. Yo tomo mi teléfono y mi bolso y me voy. C'est tomar. Donc, on va voir ici comment faire la conjugaison du verbe prendre. On peut dire pour acheter ma liste des courses. Je prends deux poivrons. Tu prends. Tu prends un kilo de tomates. Je prends deux poivrons. Et tu prends un kilo de tomates. Il prend 500 grammes de pommes de terre. Je prends, tu prends, il prend. Attention, parce que les trois se prononcent pareil. Je prends, tu prends, il prend. Pareil, la prononciation reste la même, même si ici, on n'écrit pas avec S. Attention, je prends deux poivrons. Tu prends un kilo de tomates. Il prend 500 grammes de pommes de terre. Pour les autres, vous prenez une bouteille de vin blanc. Vous prenez une bouteille de vin blanc. Nous prenons un paquet de farine. Ils prennent une barquette de fraises. Voyez, les premières trois personnes vont avoir la même prononciation, même si ici, ce n'est pas la même écriture. Je prends, tu prends, il prend. Vous prenez, nous prenons, ils prennent. Ils prennent. Nous prenons, vous prenez. Voilà pour la prononciation.
Je vous donne encore d'autres exemples. Elle prend une boîte de pois chiches. Oui. Elles prennent un pot de confiture. Je prends une brique de lait. Voilà pour la prononciation et la conjugaison du verbe prendre. C'est très utile, ça va vous être très utile pour faire des achats et pour nommer des choses que vous prenez, para tomar cosas. J'ai une question pour vous. Quel type de quantité est affiché pour cette liste de courses? Quel type de quantité? Donc, on dit 2, 600 grammes, 1 kilo, 500 grammes, une bouteille, une boîte, un paquet, un brique, une barquette, un pot. Quel type de quantité est affiché pour cette liste de courses? Quel type de quantité? C'est une quantité déterminée ou une quantité indéterminée? Dites-moi. Je vous écoute, je vous lis, los leo. Quel type de quantité c'est 2, 1 kilo, 500 grammes, une bouteille, un paquet, une barquette, une boîte, un pot, une brique? Quel type de quantité c'est? Très bien, Claudia, Gladys, Paola, très bien, c'est des quantités déterminées. On parle ici des quantités déterminées. Déterminées. Pour parler des quantités déterminées, pourquoi on sait qu'on est en train de parler des quantités déterminées? C'est parce que je peux répondre à la question « combien ?» Je réponds à la question « combien ?» Combien? Et je peux compter ce que j'achète, mange ou bois. Pour ce type d'objet comptable, nous allons utiliser les articles indéfinis et les nombres. Nous pouvons aussi utiliser des unités de mesure comme 1 kilo, 500 grammes, une bouteille, voilà. Pouvez-vous me dire quels sont les articles indéfinis? Souvenez-vous des articles indéfinis? Nous avons déjà vu ça. Pouvez-vous me dire quels sont les articles indéfinis? Quels sont les articles indéfinis? Dites-moi, c'est un petit rappel, je veux savoir. Los Leo, je vous lis. Oui, Gladys. Et il te manque un. C'est un, une. Et pour les pluriels, c'est comment? Comment c'est le plural? Oui, très bien, Boris. Des. Un, une, des. Ici, je vous donne quelques exemples. J'achète une baguette, une tarte et 5 croissants. Donc, si vous voulez voir un peu comment déterminer la quantité, donc vous demandez combien de baguettes est-ce que j'ai acheté? Combien de baguettes est-ce que j'achète? Ben, j'achète une baguette. J'ai pu répondre à la question combien? Combien de croissants est-ce que j'achète? J'achète 5 croissants. J'ai répondu à la question combien? Il boit un chocolat chaud et mange une tarte, une tranche de pain. Il boit un chocolat chaud et mange une tranche de pain. Ils boivent une bouteille de vin. Donc, tu peux demander combien de bouteilles de vin est-ce qu'ils boivent? Donc, tu réponds, ils boivent une bouteille de vin. Tu peux répondre toujours à cette question, combien? C'est ça qui est intéressant. Tu bois 3 tasses de café par jour. Tu bois 3 tasses de café par jour. Je prends un paquet de farine et un pot de confiture. Pouvez-vous me dire, ça veut dire quoi une tranche de pain? C'est quoi une tranche de pain? Je bois un chocolat chaud
et je mange une tranche de pain. Ça veut dire quoi, une tranche de pain? Une tranche de pain. Et ça veut dire quoi, trois tasses de café? Trozo o rebanada, Gladys. Très bien. Un trozo de pain. Mais trozo es más que todo morceau. Je vais te l'écrire tout à l'heure. Tranche es más rebanada. Rebanada o tajada, como decimos en Colombia. Une tranche. Ah, aussi, j'ai mis une autre. Je mange une barquette de framboise. Ça, c'est une tranche. Une tranche de pain es una tajada o una rebanada. Une tranche. Une tasse de café. Et ici, je vous avais mis une petite tarte. Une tarte et un pot de confiture. Un pot de confiture, c'est ça. Esto es una mermelada. Un pot de confiture es mermelada. Une tarte. Une tasse de café. Et une tranche de pain. Mais nous pouvons utiliser aussi une tranche pour dire une tranche de jambon. Una tajada de jamón. Une tranche de fromage, una tajada de queso. Donc, c'est très pratique, c'est un peu une type d'unité, un type de quantité déterminée. Une tranche, une bouteille, une tasse, un paquet, une barquette. C'est toutes des quantités déterminées. Todos estos son ejemplos de cantidades determinadas. Je vais écrire le mot que Gladys a mentionné. Par ici, un trozo, c'est un trozo, es un morceau, un morceau. Un trozo es un morceau, donc un morceau de pain, un morceau de pain es un trozo de pan. Donc c'est plutôt quand tu achètes un pain et tu fais comme ça, tu prends un morceau. Par contre, une tranche, c'est vraiment tu l'as coupé au couteau. Et una tajada, la cortas más que todo con oh, ¿cómo se dice? Cuchillo. Con cuchillo. O ya viene cortada, como el pan tajado, pan de mi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la pratique. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la pratique? Est-ce que vous avez des questions? C'est Marcella, c'est tout de suite, t'inquiète. On est en train de voir les quantités déterminées et ensuite on va voir les quantités indéterminées. Ya lo vamos a ver. C'est quand c'est des... Mais je t'annonce. C'est pour quantité indéterminée. Quand on dit du pain, de la viande, c'est pour cantidades indéterminadas. Pero eso ya lo vamos a ver. Juste, attends, juste 5-10 minutes, on va les voir tout de suite. Je ne vois pas qu'il y a d'autres questions, aussi des personnes qui ont des problèmes avec les lives. C'est dommage, mais bon, Facebook pose des problèmes en ce moment. On va pratiquer d'abord la juste quantité. Ce que je veux. Je vous donne ici, j'ai 7 phrases et j'ai quelques options pour vous, dont 2 articles indéfinis. Un, une. J'ai un nombre, 2, et un autre nombre, 500. Ce que je veux, c'est avec ces phrases, vous allez utiliser l'option qui correspond. Dites-moi pour la première, je prends 1 g de tomates. Quelle option je dois utiliser? Quelle option? Super, Sandy, super, Johan. Alejandra. Ton option n'est pas correcte et je vais te dire pourquoi. Si j'avais mis grammes sans S,
ton option était correcte. Par contre, comme j'ai mis grammes avec S, c'est une quantité, c'est plus qu'une, une unité. C'est pour ça que la option correcte, c'est 500 grammes avec S, parce que sont 500. Si hubieran puesto solo grammes sin S, si hubieran puesto, hubieran podido escoger un gramme. Uno. Pero también en, este, en esta frase no tiene mucho sentido comprar un gramo de tomate porque un tomate pesa más que un gramo. Entonces, por eso tampoco se podía. C'est pour ça qu'on prend 500 grammes. 500 grammes de tomate. Je prends 500 grammes de tomate. Ici, je mange un croissant et je bois tasse de chocolat chaud. Quelle quantité déterminée je dois utiliser? Attention au piège. Attention au piège. Attention à la pequeña trampita, au pequeño detalle. Je vois que Sandy l'a pris. Sandy, tu l'as bien vu. Pas d'autres personnes à part Sandy? No hay más respuestas? Pas de réponse pour celle-là? Pour cette phrase? Oui, Johanna, Sandy, Margot, José, très bien. Je mange deux croissants, et c'est pour ça que c'est deux, parce que c'est pluriel, croissants, et je bois une tasse de chocolat chaud. Je mange deux croissants et je bois une tasse de chocolat chaud. Pour la troisième, il prend bouteille de vin pour l'anniversaire de sa maman. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Pour la troisième phrase, dites-moi. Une bouteille, très bien. Ça, c'était plus facile parce qu'on l'avait déjà vu. Une bouteille de vin, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de rhum, une bouteille de pastis, une bouteille. Une bouteille de vinaigre. Ensuite, pour les quatrièmes, dites-moi pour la quatrième. La quatrième, nous mangeons boîte de 2 œufs. Par semaine. Nous mangeons boîte de 2 œufs par semaine. 12 œufs par semaine. Lesquels c'est à utiliser? Quelle quantité c'est à utiliser? Sandy, pareil, au taquet. Sandy, tu es au taquet. Très bien. Une boîte. C'est une boîte, c'est la boîte. Une boîte est féminin. Donc, la boîte, une boîte. La bouteille, une bouteille. Et pour celui-là, très bien, Hugo, nous mangeons une boîte des 2 œufs par semaine. Elle achète kilo d'oignons. Elle achète kilo d'oignons. Elle achète kilo d'oignons. Elle achète kilo d'oignons. Je ne vois pas des réponses. Pour la cinquième, dites-moi vos réponses pour la cinquième. Et en attendant, si vous avez déjà les réponses pour la 6 ou pour la 7, vous pouvez me les envoyer aussi. Si ya tienen respuesta para la 6 y la 7, también pueden mandarme. 1 kilo, très bien. Je vois les réponses arriver un peu plus tard. Elle achète 1 kilo d'oignons. 1 kilo d'oignons. La 6e et la 7e, dites-moi vos réponses. Je vous lis.
Los leo para la sexta y la séptima. Je vous lis pour la sixième et la septième phrase. Los leo, je vous lis. Je ne vois pas de réponse pour la sixième et la septième. Les commentaires n'arrivent pas. Ok, sixième. Une brique de lait. Une brique de lait et un paquet. Très bien. Une brique de lait et un paquet de céréales. Donc, l'idée qui se maintenant, il y a une grosse difficulté. Moi aussi, je l'ai eu. Et deux fois encore, je me demande si un mot est féminin ou masculin. Mon plus grand conseil, c'est beaucoup lire et à force de lire, on va commencer à mémoriser et les avoir en tête. Et la dernière, c'est une tête, je vois aussi. Ma mère prend une brique de lait et un paquet de céréales. J'achète une tête d'ail chez les primeurs. Oh, je me suis trompée ici. Très bien. Lo que les decía es, la idea con este ejercicio de cantidades y con algunas unidades de medida o de contenedores es que puedan empezar a memorizar palabras femeninas y masculinas, que para que luego se vuelva automático que para ustedes la taza, como es en español femenina, que también en francés lo es. La caja también es femenina. Pero la mayoría del tiempo funciona que en español sea femenino, en francés también lo va a hacer, pero no se puede hacer la regla general, porque lo vemos con la voiture es femenina en francés y no lo es en español. Entonces es comenzar a tener más palabras y que sea automático. Que el pensamiento después, al principio, vamos a preguntarnos siempre. ¿Esta palabra es femenina o es masculina? Que ya después no lo tengamos que pensar, simplemente ya lo sabemos. Esta palabra es femenina. Vilma, j'achète une tête d'ail chez les primeurs, quiere decir, compro una cabeza de ajo o un ajo, donde la persona que vende las legumbres. Les primeurs. El primer es el comerciante que vende frutas y verduras. Donc, j'achète une tête d'ail chez les primeurs. Une tête d'ail es una cabeza de ajo. Ok, donc on va parler maintenant d'un autre sujet. Justement, une personne m'a demandé tout à l'heure. Quand est-ce qu'on dit de la viande, du pain, du bœuf? On va parler de ça avec cette petite introduction. Donc, manger au quotidien. On est en train de parler de son quotidien. Maintenant, on va parler de nos habitudes alimentaires. Manger au quotidien. Je vous présente les habitudes alimentaires des Français. Ceci reste une généralité et pas tous les Français mangent comme ça. Mais c'est à peu près comment mangent la plupart de Français. Qu'est-ce qu'ils mangent pour les petits déjeuners? Au petit déjeuner, les Français, ils prennent du pain ou des biscottes. Ils mettent du beurre ou de la confiture. Ils boivent du café au lait, du thé ou du chocolat chaud. Comme option, une autre option de petit déjeuner, c'est prendre un bol de lait avec des céréales. Donc d'abord, au petit déjeuner, le Français prend du pain ou des biscottes. Ils mettent du beurre ou de la confiture.
Ils boivent du café au lait, du thé ou du chocolat chaud. Comme autre option de petit déjeuner, les Français peuvent prendre un bol de lait avec des céréales. Au déjeuner, qu'est-ce que le Français prend? Il y a souvent, pour le déjeuner, une entrée, un plat et un dessert. En entrée, on mange de la salade, des carottes râpées ou de la charcuterie. Dans le plat principal, on mange de la viande, ça peut être du poulet, du bœuf, du porc. Et dans certaines régions, près de la mer, on mange du poisson. Comme accompagnement, on mange des pâtes, des haricots verts ou du riz. En dessert, on prend un fruit ou un yaourt. Et pour les dîners, le Français, il mange un peu moins qu'au déjeuner. Il mange un peu moins qu'au déjeuner, mais à peu près les mêmes choses qu'au déjeuner, il les mange au dîner. Il prend de la viande avec un accompagnement, mais un peu moindre quantité, moins des quantités qu'au déjeuner. Et ils boivent souvent un peu de vin ou de la bière à la place de l'eau. Parce qu'il faut savoir que le Français boit de l'eau avec ses repas principaux. Ils n'ont pas l'habitude de boire de jus, des fruits, comme on a l'habitude en Colombie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour certains mots que j'ai déjà montrés ici? Est-ce qu'il y a des questions des vocabulaires? On va parler ensuite des deux pains, des biscottes, des... Mais je veux savoir s'il y a des questions pour certains aliments que j'ai présentés. ¿Hay alguna pregunta para algún alimento que presenté acá? ¿O c'est tout clair et on va passer au suivant? Dites-moi, je vous écoute. Non, je ne vois pas de questions. J'assume que c'est tout clair. Est-ce que c'est tout clair pour les fruits? Un peu moins es un poquito menos. Un peu moins es un poco menos. Un peu es un poco. Y moins es menos. Un poco menos. Il mange un peu moins qu'au déjeuner, qui veut dire que en la cena comen un poco menos que en el almuerzo. Oui, Maleja, oui, il mange aussi du lapin, de canard, il mange des cuisses de grenouilles, il mange je voulais comment dire caracoles, haricots. Haricot es frijol. Mais haricot vert es frijol verde. Y frijol verde es como las habichuelas en Colombia. Haricot vert. Haricot vert. Haricot es frijol. Haricot vert, frijol verde, que en Colombia lo conocemos como habichuela. Y Maleja, la razón, il ne mange pas que du poulet, du bœuf ou du porc. Il mange aussi du lapin, du canard, des cuisses de grenouilles, ils mangent du cheval aussi. Les Français, ils mangent tout. Los franceses comen todo. Solo que aquí les dejo lo que comen más en general. Cuando comen lapin o cuando comen pato, canard, son ocasiones más especiales a veces. No es tan común que eso esté siempre presente. Mientras que cuando tú vas a una cantina, una cantina, David les había explicado que era una cantina. Una cantina es el restaurante del trabajo o el restaurante escolar. Siempre está la opción de hay o carne o pollo
o a veces hay cerdo, a veces hay pescado, y siempre va a haber algún acompañante. Siempre hay una entrada y siempre hay ensalada o hay zanahorias ralladas, o también eso, hay opción de coger alguna, una tajadita de jamón y así. La baguette, Vilma, il mange le matin. De la baguette le matin. Et aussi au déjeuner, souvent dans les cantines ou au restaurant, tu as de la baguette, un morceau, une tranche, que tu peux manger aussi en accompagnement. La baguette, c'est un peu un accompagnement aussi. La baguette también es un acompañante. En todas las comidas hay pan, pero es opcional. O sea, siempre está a su disposición, c'est optionnel. C'est pour les gens qui veulent le manger. Mais c'est, ça ne fait pas partie du repas principal, mis à part quand tu le manges le matin ou bien quand vous mangez des tartines. La baguette es un acompañante y solo es como plato principal en el desayuno. Cuando dicen ils prennent du pain, ça peut être de la baguette ou du pain de mie, c'est un type de pain. Ou bien quand tu manges des tartines. Des tartines sont comme tostadas, tostadas con aguacate, tostadas con queso crema. Eso es una tartine. Carotte râpée, Vilma, c'est zanahoria rallada. Carotte râpée. Carotte est zanahoria et râpée est rallada. Donc tu peux dire fromage râpé, quel autre truc c'est râpé? Des choux râpés. Chou râpé, c'est repollo rallado. Râpé est rallado. Voilà. J'ai déjà vu la question. Quand est-ce que j'utilise de? Quand est-ce que j'utilise de la? Ça, c'est la prochaine chose à voir. Tout ça, de la salade, du pain, des biscottes, du beurre, du café au lait, du thé, des céréales. Je mange de la salade, je mange du pain. Je ne peux pas répondre à la question « Combien est-ce que je mange ?» Si je dis « Je prends du pain » et si on me demande « Combien de pain tu as mangé ?» avec cette réponse, je ne peux pas déterminer la quantité que j'ai mangée. Donc, on utilise ce type de mots « de »,« de la » quand on parle des quantités indéterminées. Cuando utilizamos estas frases, estos conectores, estos artículos, du, de la, estoy hablando de cantidad indeterminada. No la puedo contar. Je ne peux pas compter. Je mets du beurre. He hecho mantequilla. ¿Cuánta mantequilla he hecho? No lo sé. Je mets de la confiture. Je n'ai pas dit combien de quantités. Maléa, l'apéro, souvent, ça ne fait pas partie de l'entrée. Et l'apéro est une activité à part de l'entrée. Incluso en grandes cenas ou comidas francesas, hay muchos momentos. Está l'apéro. Ensuite, il y a l'entrée, ensuite le plat et ensuite les desserts. Et même avant les desserts, il peut y avoir les fromages. Mais souvent, le français, pour des raisons de ne pas manger beaucoup, ils font l'apéro et ensuite le plat. Et l'apéro, si lo tomamos como sentido de la palabra, puede ser verdaderamente un momento aparte. Pero la mayoría de franceses, porque si no se come demasiado, hacen un apéro y luego pasan al plato principal. Pero en cenas muy importantes, como por ejemplo en Navidad, se puede hacer verdaderamente apéro y solo se toma algo, on boit un peu y on mange juste un petit truc. Ensuite, il y a une entrée, ensuite le plat, ensuite le fromage y a la fin le dessert. Entonces, para tu pregunta, ça dépend. A veces, el apéro lo toman como la entrada, pero no es en realidad una entrada, sino un momento antes del plato principal. J'espère que j'ai pu répondre à ta question.
Donc, tout ça, ces mots du, des, de là, ce sont les articles partitifs. Les articles partitifs. Donc, on utilise les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée d'un aliment, d'un ingrédient ou d'une boisson. Je ne peux pas compter. Je vous donne plus d'exemples. Au petit déjeuner, je mange des œufs avec du pain et de l'avocat. Le midi, je mange de la viande avec du riz et je bois de l'eau. Le soir, je mange de la salade, des asperges et une soupe. Je bois un peu de vin, un peu de vin. Je bois un peu de vin. Je bois un peu de vin. Je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne. Tu ne bois pas de café. Il ne boit pas d'eau. Je ne mange pas d'asperges. On va faire un focus d'abord sur la partie positive. Ici, c'est la négation. Est-ce que vous pouvez identifier déjà des règles? Quand je dis je mange des œufs, quand je dis je mange du pain, de l'avocat, de la viande. Cuando utilizo de, cuando utilizo du, cuando utilizo de el apostrophe, cuando utilizo de la. Quelles sont les règles? Attention, c'est pareil comme quand on parlait des prépositions des pays, quand on parlait des prépositions des nationalités, non, des pays, pour faire du sport, pour toutes les règles avec les prépositions. Comment est-ce qu'on va les accorder? Quelles sont les règles? Pouvez-vous déjà identifier des règles? Ou pas, du tout? Vous avez aussi le droit de me dire non, je ne sais pas les règles. ¿Cuál es la regla? Je vois pas de réponses. No veo respuestas. No veo respuestas. Oui, voilà, là, c'est ça. Ça dit c'est bon, si tu ne sais pas, c'est bon. Des, c'est pour les pluriels, très bien. Des œufs, les œufs, des œufs. Du pain, de l'avocat, de la salade. Je vais passer. Donc, les articles partitifs ont ce type de forme. Donc, on peut utiliser « de » et l'apostrophe, « de la »,« de »,« des ».« De » et l'apostrophe, nous allons l'utiliser pour un mot. Ah, là, je vois des personnes qui m'ont répondu, sauf que ça arrive un peu plus tard. « De », c'est pour le masculin. « De la », c'est féminin, « des » pluriel. « De » s'utilise pour les masculins, le pluriel, c'est « des »,« des » les pluriels. Très bien. Donc, des, c'est pour les noms pluriels. Donc, des œufs, des asperges. Quoi d'autre? C'est deux, c'est simple. De et l'apostrophe, c'est pour les mots qui commencent par voyelle. De l'avocat, de l'eau. Je mange de l'avocat, je bois de l'eau. De et l'apostrophe, pour un nom commençant par voyelle. De là, c'est pour un nom féminin, comme la salade ou la viande. Donc, je mange de la viande, je mange de la salade. Ici, je ne dis pas combien de salades je suis en train de manger, ni combien de viandes je suis en train de manger. Je dis juste « yo como carne ». Ça, c'est la traduction. « Yo como carne, como ensalada ». Pero no dije cuánta carne comí, ni cuánta ensalada comí. Si yo digo la cantidad, ahí pasamos de nuevo à quantités déterminées. Je mange un filet de viande est une quantité déterminée. Pero si yo no digo cuánto comí, yo digo je mange de la viande. Como carne. Como carne. Je mange de la salade como ensalada.
Pero si puedo decir, j'ai mangé une salade de pois chiches. Me comí una ensalada de garbanzos. Là, je suis en train de dire, j'ai mangé une salade. Me comí una ensalada. Pero si yo digo, je mange de la salade, solo quiero decir, como ensalada. ¿Qué comiste? Ensalada, papa y arroz. O ensalada, papa y carne. Pero no dije cuánta cantidad. C'est ça l'idée des articles partitifs. De, très bien, non masculin, et des pour les noms pluriels. Donc, au petit déjeuner, je mange des œufs avec du pain et de l'avocat. Ici, je n'ai pas dit combien de tranches de pain j'ai mangé. Si je veux dire la quantité, j'aurais dû dire je mange des œufs avec une tranche de pain et de l'avocat. Ahí, si estaría diciendo la cantidad determinada. Vous voyez comment c'est... Quand est-ce que j'utilise des articles partitifs et quand des quantités déterminées. On va passer un peu au truc un peu plus difficile. Et c'est la négation. C'est la négation avec les articles partitifs. Je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne ou je suis végétarien. Je ne mange pas de viande. Je ne bois pas de café. On dit, je bois de café, je ne bois pas de café. Je ne bois pas de café. Je bois du café, je ne bois pas de café. Je bois de l'eau, je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. Il ne boit pas d'eau. Je ne mange pas d'asperges, je mange des asperges. Est-ce que vous arrivez à voir une petite règle? N'est pas de negando. Commençons par voyelle. Très bien, Raphaël, c'est ça l'idée. Des apostrophes, c'est quand les mots commencent par voyelle. Et de pour la négation, pour les restes de mots. C'est ça la négation. Donc la négation, on connaît déjà la négation. Ne pas. Je ne mange pas. No como. Je ne mange pas. Pero si quiero decir yo no como carne, debo decir je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Donc pour la négation, donc on conserve la négation ne pas plus l'article partitif. Pour la négation, l'article partitif devient de pour les noms masculins, féminins ou pluriels. Et deux apostrophes pour les noms singuliers ou pluriels commençant par voyelle. Esa es la regla para la negación. Para la negación, siempre ya viene el ne pas. Eso ya es la negación, como la conocemos. Je n'aime pas danser, je n'aime pas voyager, je n'aime pas chanter. No me gusta cantar, no me gusta bailar, no me gusta comer. Pero si yo quiero decir, yo no como carne, yo no tomo café, yo no tomo agua, son cantidades indeterminadas porque no dijo cuánto café estoy tomando, cuánta agua estoy dejando de comer, de tomar, cuánta carne estoy dejando de comer, debemos utilizar artículos partitifs. C'est pour ça que je dis, je ne bois pas de café. Je bois du café, je ne bois pas de café. Je ne bois pas de café. Je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. Je ne mange pas d'asperges, je mange des asperges. Voilà pour les articles partitifs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Quand est-ce qu'on doit utiliser des articles partitifs ou des quantités déterminées? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Parce que s'il n'y a pas de questions, je veux
et je veux vous demander quelque chose. Asperges. Asperges sont espargos. Asperges, espargos. Donc, les soirs, je mange de la salade, des asperges et une soupe. La noche, en la comida, je mange de la salade, como ensalada, espárragos y una sopa. No dije cuánta ensalada comí ni cuántos espárragos comí. Simplemente dije que comí ensalada y espárragos. Je mange de la salade et je mange des asperges. Si yo quiero decir cuánta cantidad comí, por ejemplo, aquí dije comí una sopa. Une soupe. Sé que comí una sopa. Mientras que si yo les pregunto a ustedes cuánta ensalada comí, no sabrían decirme, porque yo dije simplemente je mange de la salade, yo como ensalada. Y por la negación, es un poco, no es difícil, es simplemente saber que la negación es ne, verbe conjugué, plus pas, plus un article partitif. L'article partitif à la négation devient de pour les mots masculins, pour les mots féminins ou pour les noms pluriels. On les voit ici. Je ne mange pas de viande alors que je mange de la viande. Je bois du café, je mange du riz. Je ne mange pas de riz. Pas de riz. Je ne mange pas de riz. Je mange des asperges. Je ne mange pas d'asperges. De apostrophe. De apostrophe. Lo vamos a utilizar en la negación cuando hay una palabra singular o plural que comienza por vocal. Esas son las reglas. Ça va venir, si vous ne comprenez pas encore tout de suite, ça va venir aussi avec la pratique. Vous devez pratiquer la règle. J'ai quelques questions pour vous. On a que 4 minutes. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez au déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez au dîner? Qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez au déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez au dîner? Je veux savoir si vous pouvez me donner quelques réponses. Pueden utilizar artículos partitivos o cantidades determinadas. On a que 4 minutes, donc je vous lis. Los leo. Que vous avez, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner ou au déjeuner ou au dîner. Bill m'a dit, je mange une crêpe. Ok. Bon, ça c'est trop. Bill m'a dit qu'elle dit, je mange une crêpe. Mais Vilma, tu manges une crêpe pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner ou pour le dîner? Quand est-ce que tu manges ta crêpe? Et non, Clara, solo puedes decir, porque tu dices, je mange de la mangue como mango, como mango, la mangue es femenino. Si tu no comes mango, tienes que decir je ne mange pas de mangue. No puedes decir de la, pas de. Es solo pas de. Tu no dices pas de la. Tu dices je ne mange pas de mangue. Esa es la transformación.
Donc, je mange une crêpe. Vilma a dit petit déjeuner. Donc, au petit déjeuner ou pour le petit déjeuner. Déjeuner. Je mange une crêpe. Je vois, Glaïs dit... Margot dit, je mange, je bois du café et je mange une orange et un bol d'avoine. Ok. Margot mange. Mange. Une orange avec et un bol d'avoine. D'avoine. Et un bol d'avoine. Elle boit du café. Ok, merci Margot. Glaïs dit, je prends une tasse de café. Je prends une tasse de café. Donc, Glaïs, elle prend. Glaïs prend une tasse de café. Une tasse de café et une tranche de pain. Voilà, donc Glaïs, elle a décidé d'utiliser la quantité déterminée. Alors que Margot, elle a décidé d'utiliser à la fois de la quantité déterminée, comme ici, et la quantité indéterminée. Elle dit elle boit du café. Alors que Glaïs, par exemple, elle avait décidé de dire « Je prends une tasse de café. » Glaïs se toma una taza de café, mientras que Margot simplemente dijo « Yo tomo café. » Je vois qu'il y a Gerardo qui nous dit « Je mange œuf au jambon. » Donc, Gerardo, tu dois dire « Je mange des œufs. » Des œufs au jambon. Mais c'est plutôt... des œufs au jambon. Je mange des œufs au jambon. ¿Por qué no dices, no estás diciendo, Gerardo, cuántos huevos te comiste? Simplemente tú dices, yo como huevos con jamón. Je mange des œufs au jambon. Je vois que c'est déjà la fin. C'est dommage parce que aujourd'hui, nous avons eu pas mal de problèmes de déconnexion. Encore une fois, désolé, c'est des problèmes techniques. Perdón, todavía son problemas técnicos de Facebook con lo que hubo la caída de servidores ayer. Hubo problemas para conectarse. Espero que las personas que no pudieron verlo en vivo lo puedan ver en replay porque va a quedar guardado de todas maneras. Les agradezco mucho su participación. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en Colombie ou en Amérique latine et une bonne soirée pour ceux qui me suivent de France. Donc, bonne soirée et je vous dis à jeudi avec David. Au revoir.